bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Men of Medan. Nous en sommes à l'épisode 6. Installez-vous correctement, confortablement, prenez un petit truc à boire ou à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. N'hésitez pas évidemment de mettre en 2K 60fps si vous le pouvez. Et surtout plongez-vous dans le noir, éteignez donc les lumières et mettez un casque ou des écouteurs. On est parti pour la suite de notre incroyable aventure. On enchaîne directement. On n'a même pas eu le temps de se parler. Je suis donc Alex, Alfouillet, Julia. Et nous sommes dans la cale 1. Une. Cale 1, c'est bien. C'est une cale. Viens toi. What? Oh putain, c'est ce moment sous l'eau. Ok. Donc, je suis Alex, Alfouillet, Julia. On a vu cette... J'ai vu cette prémonition, mais... Je pense pas qu'elle fait vous. Ah! La catastrophe! Ouvre la paix! Go! Attends, mais il m'a sauvé la vie! Attends, n'y va pas. N'y va pas. Ah! J'ai dit... Non! Oh, j'ai pas pu! Oh, j'ai pas pu! Mais attends, mais il l'aide! Mais il l'aide totalement! Mais oui, mais il nous a aidés! Non, mais arrête! Ben oui, mais c'est pas... Tu t'égares! Tu t'égares! Non, 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 tu t'égares! C'est bien! Non! J'ai pas envie de le tuer! Alfie fait un choix. Alfie fait le bon choix. Alfie fait le bon choix. Ne lâche pas! Non! Non! Je le lâche! Ok. C'est un pote, bordel! Calmons-nous! Get down! Oh, c'est incroyable! Alfou, il a rien compris au jeu. Lui, il est en mode. Quoi? Est-ce que. Est-ce que ça va? C'est bon, c'est bon. Merci. C'était moi une. C'est lui qui t'a sauvé. T'aurais dû l'achever. Là, il peut encore nous coincer. Mais non. Merde! Mais non, mais non, mais non. Ah, lui, c'est un méchant, par contre. Oh, lui, il est pas. Oh, lui, il est pas cool. Ok, c'est le mec qui nous a pris ses deux oeils. On se casse! Très bien. Ok, je pense qu'on a quand même sauvé un pote. Donc là, on les voit tous en mode zombie. Dépêche ! Ok, Alfouillet et Julia, je suis Alex. Bon, lui, par contre, j'ai aucune pitié. Hein. Rien à branler, hein. Ils nous ont emmenés dans la merde, on va l'enculer. Hein. Aidez Julia, aidez Julia, aidez Julia. Tranquille, tranquille, on a le temps. Prends ton temps, toujours aider les personnes qui ont un petit peu de mal à marcher devant soi, quoi. Allez, Julia, on se le fait. Hein. Let's go, hein! Très lente. Ok, cascade. Merde. Allez. Bien joué, ça. Oh, putain! Allez,
Alphus, ça serait bien que tu me sois utile, hein. Ok, on se casse. Peut-être pas riposter. Donc je sais pas ce qui se passe sur ce putain de bateau, je vais pas tuer des gens. Ok, lui il va mourir. Ok, lui il a un problème. Lui je le tue la prochaine fois. Oh, Phyllis ! Oh génial. Ouais, c'est moi. Allez, on bouge. Putain ! Faut qu'on aille se mettre à l'abri. Ok, mais ça veut dire que c'était qui le zombie alors ? Ok, tout le monde est vivant. Putain, c'est excitant. Let's go. Restez ensemble, s'il vous plaît, ne vous séparez plus. Tout va bien. Je pense. Ouais. Je crois que c'est une bonne planque ici. Oui. On se sépare plus, s'il vous plaît. On a compris la leçon. J'aimerais bien revoir la personne qui nous conte les histoires. Yes, j'adore lui. Oh, bonjour. Salut. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas ? Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Ça viendra, j'espère, même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider avec un petit indice. Confiance, curiosité. Non, je veux pas. Du mal à vous décider. C'est dommage. Et dangereux. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Alors, honnêtement, non. Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles ? Allez, retournez-y. À plus tard. Merci, chef. Ok, s'en est plutôt bien sorti. J'ai bien fait, à mon avis, avec le zombie. J'espère qu'Alfouille va pas déconner. Et Alfouille joue Alex et je joue Julia. Vraiment, le zombie... Je peux savoir ce qui t'a pris tout à l'heure. Brad, t'as carrément pété un câble, t'as même failli me tuer. Quoi ? Mais de quoi tu... Mais j'ai pas... Non, arrête, c'est n'importe quoi. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau ? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de pas perdre les pédales, d'accord ? Les trucs que j'ai vus... On aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts et après, ils l'étaient plus et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles ? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex... C'était un cauchemar. Savoir qu'avec Alphus, on s'est pas vraiment parlé en tout temps... Tout ça peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Mais là, on nage en plein délire. Ça peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr ? Qu'est-ce qui est bien réel ? Confusion, où est l'or ? C'est un vaisseau fantôme ? Crainte ? Je débloque ou on est sur un vaisseau fantôme ? Genre, les vaisseaux fantômes existent, c'en est un, et on est coincé dessus, et putain, on est carrément dans la merde ! Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'on n'est pas les premiers à voir des trucs bizarres ici. Apparemment, les gardes étaient terrifiés par quelque chose qu'ils avaient vu dans les cales. Non, fais pas le con. Fais pas le con, Alfouille. Qu'est-ce qui a pu se passer à bord de ce bateau ? Pas la moindre idée. J'ai vu la date 1947 sur le journal.
Le journal de bord parlait d'une grosse tempête. On dirait qu'ils ont été pris dedans. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Je sais pas du tout ce qu'Alfouille a vu quand on était séparés. C'est ça en plus. Le truc entre guillemets. Quelqu'un sait ce qui est arrivé à tous ces marins? Peut-être qu'un autre bateau est venu les chercher. Cet endroit ressemble plus à un mausolée qu'à un navire. Alors ils viennent d'où tous ces cadavres? On dirait qu'ils sont morts de peur au sens propre. Au moins on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Il doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Ah! Encore une idée de merde! Alfouille et Fliss. Ok, je suis Alex. Bon! Très bien. En fait, faut localiser, moi c'est par rapport aux fringues que je fais. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Sans deck. Je crois que... En termes savants, on est carrément foutus. Ok. Ok, je peux rien lui dire. On va baisser la caméra. Ça va peut-être sembler dingue, mais je me demande si l'avion qu'on a découvert aurait pu être abattu par ce bateau. Ah ? Et donc, dans cet avion, il y avait les tombeaux ? Ils les ont emmenés dans ce bateau, et la malédiction a commencé. Ok, à moi. Alors, un cigare. Très bien. Attends, voilà. Bon, il n'y a pas de secret par contre, hein, bande d'enfoirés. Hein. Très bien. Ok, donc c'est des douilles, hein. Si jamais, de très grosses armes. Pour l'instant, c'est ce que je pense. Mémorisez comment ils sont habillés en haut. Hein. C'est comme ça que j'ai réussi à comprendre qu'à mon avis, c'était notre ami Conrad. Ok, on a quelque chose ici. Alors. Ok, trou de balle, littéralement. Des impacts de balles. Très bien. Donc ce bateau... C'est bizarre. Très bizarre. Est-ce qu'on parlait d'un avion? On peut monter? Malheureusement non. Mais je vais garder l'œil ouvert. Ok... Tout le monde nous suit, ça va. On fait pas comme 99% des films ou des jeux à se séparer dès qu'il y a des tueurs qui se baladent en bateau. Ok. Vas-y, continue. Je t'éclaire, hein. Frère, tu manges ce qu'il y a dedans ou... Alfouille a trouvé un secret. J'aimerais bien le connaître aussi. Allez, tire-toi. Alors, c'est une lettre. Oh, très belle lettre. Hein. Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux. Utilisation des masques à gaz. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. J'ai pas le temps. Putain, non, elle fouille. Hé hey, par ici, venez m'aider. Non, après, je t'assure. Ah merde, j'ai pas le choix. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Bon, j'ai lu la première consigne. Commencez par mettre le sien avant d'aider les autres. Ça, c'est vrai que c'est pas con. Je vais t'aider.
Ok. On est bon. Bon, bah, fais chier, j'ai pas lu la lettre. Lui, il l'a lu, donc j'espère que c'est lui qui va avoir affaire à ça. On monte directement, on va essayer de reprendre un peu une petite avance. On a Brad juste en bas. J'avoue que lui va voir là-haut, moi je vais voir là-haut. Ah ! Ok. Non, il a dû péter un câble, très bien. Ça arrive. Il a glissé, chef. Ok, très bien. Bah pour le coup, il n'y a plus rien. On continue. Mais attends, mais c'est parce qu'il s'est chié dessus ou quoi ? Genre un screamer qui l'a fait sursauter ? Et il a fait star pour ça ? Hé, hey, par là ! Ok. Il y a un chemin. Personne veut l'aider, hein. Zikrevard. Mais tire-toi, elle va pas se refermer toute seule, c'est pas une porte automatique. Abusez pas. Ah bah si, apparemment si. Ok. Eh bien là-bas, y'a rien. Oh là, oh là, reste avec nous. Ok. Ok, on a quelque chose. Bonjour monsieur. Forcément une radio quelque part. Ah! Très bien, une prémonition. Ça me plaît. Ok, je peux? Vous avez trouvé la... Non. Ok, rien à branler. Il s'est foutu en l'air, rien à branler, c'est pas mon pote. Il peut canner, hein. Très bien. Bizarrement, Alfou y a pas regardé ici. Très bien. Rien à foutre qu'il soit foutu en l'air, hein. Vraiment, alors là, ni chaud ni froid, hein. Pour moi, c'est plutôt une bonne prémonition. Hein. Oh, putain, mais fais pas la con, toi. Ok. Sûrement un secret ici. Ils viennent leur trajectoire. D'accord. Je vais sûrement pas connaître leur position. Ok. Ah, mais forcément, ils sont partis de la Chine. Ça nous fout dans une merde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Eh ben, pas grand-chose. Note, département américain de la Navy. Forte tempête, trajectoire déviée, inondation de la cale de signalée, éclairs excessivement nombreux, dérive en eau profonde, peu profonde, position inconnue, fond marin présumé insondé, profondeur inconnue, début des recherches du marin tombé à la mer, fin des recherches. Épaisse couverture nuageuse, localisation. Ok. Donc, la tempête, toujours. On entend une radio. Hé hey, là. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Ah, c'est à la fin de le faire. Ah, une bonne vieille radio. On est prévu à l'horizon au moins jusqu'à jeudi. C'est une station de nombre. Une fréquence militaire. On demande de l'aide. Répondez, s'il vous plaît. Vous nous recevez ? À vous. Ok. Ah, au moins, il y a quelqu'un qui écoute. Le signal est pas stable. Oh putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait une alu. M'aidez, m'aidez, je te lance un SOS. À vous.
à bord d'un cargo abandonné. Notre position est 12 degrés, 30 minutes sud, 151 degrés, 20 minutes ouest. À vous. Répondez, à vous. Allez, répondez, pitié, répondez. Répondez, à vous. 1. Oh, et merde. Allez. Hé hey, un. Voilà, regarde. Hé hey, vise-moi ça. Ça doit forcément mener quelque part. Non, on peut non, peut-être non. trouver un moyen de rétablir le courant. Non, non. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Non, quelqu'un non. devrait attendre ici, au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Hé, hey, petit frère. Quoi de neuf? Je me disais que tu méritais une promotion. Frangin médium, t'en penses quoi? Mais de quoi... de quoi tu parles? T'as pris la barre, Frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, putain. Je vais bien lui faire okay. confiance, mais... T'es vraiment sûr de toi? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non! T'es pas mon garde du corps. Je peux m'en sortir toute seule. Ok... C'est décidé. Allez, j'y vais. Ok, Julia. On est parti. Il a rien dit. On les emmène à la mort? Hop, on a les 5 pour la fin. Nickel, hein, les gars, bien. Bien, bien, bien. Bon, on peut pas savoir en même temps. Sur le coup, c'est assez compliqué. Mais il avait l'air motivé, il avait des petites gouttes de sueur. Je me suis dit, il est chaud, tu vois. J'avoue que je serais pas allé. Hein, soyons oh. francs. Alfouille et Julia, et je suis Brad. Allez, ma petite Julia, lève-toi. T'as rien cassé? Est-ce que tout fonctionne? Tout le monde va bien? Tout va bien. On fait quoi maintenant? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok, on attend près de la radio. Ok, relation actualisée. Oh bah d'accord. Un Zippo, mon rêve. Hé hey. Après toi. Ok... C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. Vas-y, Einstein, hein. Ok... On a quelque chose. Alors... Oh, c'est long. Il y a une histoire de bagarre. Il s'avère que le soldat Charles Anderson en permission s'est enivré d'une façon indigne pour un membre de l'US Army. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat ivre, l'officier qui a procédé à l'arrestation. Jugeant que la confrontation allait donner lieu à une rixe en public, des mesures ont été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire. Ok, donc là c'est le moment où on était à l'infirmerie. Il y avait un certain Joe à l'infirmerie. Voilà, ça c'est les deux personnages qu'on a joués au tout début du jeu. J'espère que vous suivez jusqu'ici. 10 jours au trou. Wow. 10 jours de trou approuvés. Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça. Ok. Alors, oh là, ah, y a un petit bouton qui bug, hein. C'est rien les gars, vous avez rien vu. 27ème semaine de détention, lundi, Arthur, Larsin, un jour de détention, petit objet, ok, David Scott, un jour de détention, très bien, regarde derrière, samedi, Charles Anderson, ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention, état d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Et Joseph Robert, bagarre, 10 jours aussi, état d'ébriété. Très bien.
Malfoy a trouvé un secret. Il a réussi à ouvrir, dis donc, incroyable. Ils vont encore lui mettre dans la poche, celui-là. Ok, je vais lui faire des signes. Là-bas, là-bas, le fouille. Là-bas. Là-bas, non! Pars pas! Pars pas! Putain, mais il l'a pas vu en plus. Infâme, hein. Il veut pas faire d'effort, hein. Ok! Alors. Ah! Compte rendu de la réunion entre le scientifique X, l'adjudant-chef et l'adjudant-chef Tom en présence du sergent Peter Wood, chargé d'observation et de puterie. X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe, il ajoute que nous avons beaucoup à apprendre. La même chose, le monde occidental doit être protégé de... 1-1, que les États-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre. Nos activités, je suppose, limitées par le protocole de Genève. Hein, ayons expérience. Il nous est impossible de... Ok, décrit une expérience... Alors, attendez. Décrit une expérience au cours de la Seconde Guerre mondiale visant à... Non. Oh non, elle fouille. Putain, laisse-moi lire. Regarde ça. Ok. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? Mauvaise idée. L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends. Est-ce que ça va? Continue. Ouais. Impec. Descends voir. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là, mon cher Alfouille. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde.